Winnie Mandela, mort de l'ex-épouse de Nelson Mandela. Elle est décédée 5 ans après l'icône sud-africaine. Winnie Mandela, l'ex-épouse de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, est morte à l'âge de 81 ans, ce 2 avril des suites d'une longue maladie dans un hôpital de Johannesburg, a annoncé son porte-parole, relayé par l'AFP. C'est avec une grande tristesse que nous informons le public que Madame Winnie Madikizela Mandela est décédée à l'hôpital Municipal de Johannesburg lundi 2 avril, a déclaré Victor Dlamini dans un communiqué. Au mois de janvier, la femme politique sud-africaine, membre et militante de l'AN, avait été hospitalisée pour une infection rénale et épuisement. Elle a été mariée avec l'icône Mandela de 1958 à 1996, avec qui elle a eu 2 enfants, Zanani, né le 4 février 1958, et Zanziswa, né en 1960. Mais n'a pas été première dame de leur pays, puisque le dirigeant s'est séparé de Winnie Mandela en 1992, et a épousé en 1998 Graça Machel, veuve de l'ancien président du Mozambique. Et Jerry de la lutte anti-apartheid durant les 27 années de l'emprisonnement de Nelson Mandela, libérée en 1990, elle est aujourd'hui considérée comme une figure controversée. Celle qui est surnommée la mère de la nation, a notamment encouragé la violence pendant la lutte contre le régime ségrégationniste. Dans son testament, Nelson Mandela, qui fut le premier président de l'Afrique du Sud démocratique de 1994 à 1999, et est décédé en 2013, ne lui a rien laissé.